Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Yalantzinmu anouné. Zavata Nisia, Diani Graves et ton compagnie Air France. Dia. Siafakatunga miarekam tsikia ni cardinal préfet Angelo Amato sini postulateur ni Lucien Boutvassou. Nous tenen papare masna kusa isuluaz nansinawe lega du pape son éminence le cardinal Maurice Piat Zentar ke isofanka zanzou zai Aumninusi Maurice, sorte éminence. Je suis très reconnaissant envers le pape François qui m'a envoyé comme son délégué pour présider à la messe de béatification de Lucien Boutvassou ici à Voipen. C'est au nom du pape François que je vous salue tous et chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. Je salue particulièrement les deux frères de Lucien Boutvassou, son frère André et son frère Thomas. Je salue aussi ses deux sœurs, Joséphine et Françoise. Ses deux filles, Gaïan et Francia, et ses anciens élèves et tertiaires de Saint-François, particulièrement Joseph et Victor. Je salue également Son Excellence Monseigneur Paolo Gualtieri, nonce apostolique, Son Excellence Monseigneur Désiré Tsarahanzana, le président de la conférence épiscopale malgache, Son Excellence Monsieur Gaetano Di Piero, évêque de Falaranga. Je salue très spécialement Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, Heri, et son épouse, l'excellence chef des institutions de l'État malgache et leurs épouses, les autorités civiles et militaires au niveau national et local, honorables personnalités invitées, les chefs et membres des autres confessions chrétiennes et autres religions. Nous sommes ici pour dire notre action de grâce envers le Seigneur Jésus qui a fait germer dans le peuple malgache,
dans l'église qui a Voipen, la belle figure de Lucien Botovasua, celui qui a été martyrisé, mais que aujourd'hui l'église reconnaît et acclame comme un bienheureux. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Fanambarana manechketchka nima ulsamacha ani ramche Lucien Botovasua. Éminence de diocèse de Parapangana demande humblement au souverain pontife de bien vouloir inscrire au nombre des bienheureux vénérables serviteurs de Dieu Lucien Botovasua. Terga to vuipenu, farka vatu vafit vnane, tamtau na varsis i vanzasi arrivu, e Lucien Botovasua. Vita batemi, tam tam na rua no rua pulsi vanzasi arrivo isi. Ar lasa popiana tinse cul catolica tau. Manambadia manzana kisi. Ar padrutsai na nitanada. Pitai za tienta nura e ri. Tia hira si musica isi. Sa di urna falfalla l'andava. Isi in una urna non finchi ambana na tersiern mas da François tau vipenu. Arlasa pvava ca anro manal na isi famanir te hulu masna si martiriasa. Na leu ni huvnuina tu jai hanai ki aramiasham pamunu simpanenski a iglisi. Arna nulutena, ufana vutana nralahni, sintanrajana, izi, tam taunga fhito mi efapurci vanda si arrivo. Matnu ta pandurte omurun matatanga izi, tam ni fito mi ful aprili, fito bi fa pursi vanda si arrivo, arni nudan pun na teo nu queo, fa ulu marna, martiri, ti jahen tan rajni tu kua isi. Mangita ni amakiena ni taratashi apostolika, di amiangave si karehecha yara ka isangana. Lettre apostolique du pape François. Nous accueillons le souhait de notre frère Gaetano Di Pietro, évêque de Farafangana, d'un très grand nombre de frères dans l'épiscopat et d'une multitude de fidèles, après avoir obtenu la vie
de la Congrégation pour les causes des saints, en vertu de notre autorité apostolique, nous déclarons que le vénérable serviteur de Dieu, Lucien Boutouvassour, laïc, père de famille, professeur d'école, tertiaire franciscain, martyr, qui, en se conformant au Christ dans la prière et dans le pardon, il lui rendit témoignage jusqu'au don de sa vie, offerte avec humilité pour la paix de son peuple. À partir de maintenant, il sera nommé bienheureux. Et que l'on puisse célébrer sa fête dans les lieux et selon les règles établies par le droit, le 17 avril. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Donné à Rome près de Saint-Pierre sous l'anneau du pécheur. Le 8 avril, dans le deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde, en l'an 2018 du Seigneur, cinquième de notre pontificat. Tu savais ni de 15 ans ni tel malagas, ni tel anai, rien en rien fan rien rala anai, Gaetano di Piero, et vec en farafangan, si ro rala yon fan rana ma et vec, ari le pin marbe, rien as ni eften sapan rala mi en rect en farangan ou le masna, non fai fan apostolique ananai. Die che ne sembaranai, fan panupnare mancia mentre chiazza, ricevo tu vassù, terzera franciscana, repiana cavina, ar martir, se non fanara canfiena, tamunian cristino, batem l'uresse, ni giuro va volumero, ne tamu fa fusannien, ma mela ielco e ruppanien schias, di ansuina ve ulzamba, tamunupca isau. Maria zo calazena in fete, ambrotera, si arca in ftip che vo farci la lana in eglise, ni fa fitombe full in vula in aprile. Amni in aranrai, sen zana che sen fana in masna, amen. Na tote trom, a caic in masna da pier, ni valo aprile, ala ad faro un pac, ala ad in fandra alpuna de manta, antona in tump valo in full stru arrivo. Tona Fadimi na Papanai François. Uache uansika izani, decree izani, faisika kusa, yarakaired na nihirawe, isoranaene, nenarantumpu. Alleluia. Lucien Boutouvachoua. Vous m'allez là.
ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Tamnizany andro izany dia niteny tamin'ny vahoaka hiperinana hoe ny andriamanitry Abrahama sy Isaaka ary Jakoba andriamanitry ny razantsika no nanomeny voninahitra ny Jesosy zanany izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan'ny Pilaty na dia nataony alefa aza izy ny masina sy ny marina nolavinareo fa ny lehilay mpamono olona no nangatahanareo famelana ianareo namono ny tompon'ny aina fa andriamanitra kosa nanangana azy ho velona ary izahay ireto no vavolombelono izany ary ankehitriny ry havamalala fantatry tsara fa ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany toy izany koa ireo lehibenareo fa notanterain'andriamanitra tamin'izany kosa izay voalazany raha teo amin'ny vavany mpaminany rehetra fa ijaly kristia koa mivaloza ary mibeba mba hovonoina ny elokareo izany ary ny teniny tompo fonana mahafaka ny fahotantsika ary tsy ny antsika ihany fa ny an'izao tontolo izao koa anaka nanoratra aminareo aho mba tsy hanotanareo ary raha misy nanota manana mpisolovava ao amin'ny iray isika ka i Jesosy Kristy ilay marina izy no sorim-pifonana mahafaka ny fahotantsika ary tsy ny antsika ihany fa ny any izao tontolo izao koa ary izao no hafantarantsika fa mahalala azy isika dia raha mitandrina ny didiny isika izay milaza ho mahalala azy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary tsy ao anatiny marina fa izay mitandrina ny didiny no manana ny fitiavana an'andriamanitra lavorary ao aminy tokoa izany ary ny teniny tompo
Tamin'ny izany andro izany dia nitantarainy mpianatra avy tany Emaosy tamin'ny apôstôly raika ambin'ny folo lahy sy ny namany tafavory ny zavanyseho tamin'ny teny an-dalana sy ny nahafantaran'i Jesoa tamin'ny famakenany mofo. Mbola niresaka toy izany eo izy ireo dia niseho teo avoan'izy ireo Jesoa ka nanao taminy hoe: omba anareo ane ny fiadanana, aza matahotra fa izao ihany. Taitra sady natahotra izy ireo fa nataony matoatoha no hitany, ka hoy izy taminy: nahoana nitebiteby ianareo ary nahoana no mianahana ao amponareo? Zahao ny tanako sy ny tongotro fa izao misy ity. Tsapahoka azy ireo fa ny matoatoha sy mba mananofo aman-taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony, ary ilay mbola sinininy ihany izy noho ny afaliany sady mbola talanjona dia hoy Jesoa taminy: moa manan-kanina eto va ianareo? Dia notoloan'izy ireo tapaka hazan-drano voatono sy tantely izy, ka noraisiny dia nohaniny teo mason'izy rehetra, ary ny sisa nomena azy ireo. Dia hoy izy tamin'izy ireo: izaho no voalazako taminareo fony mbola teo aminareo aho, fa sy maintsy ho tanteraka izay rehetra voasoratra mombahy ao amin'ny lalàny Moisy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nosokafany ny sain'izy ireo ahafantatra ny soratra masina, ka hoy izy taminy: araka ny voasoratra dia tsy maintsy izaly Kristy tsy sanagovelona amin'ny andro fahatelo, ary sy maintsy toriana amin'ny firenena rehetra, miantomboka any Jerosalema ny fibebahana azy ny famelan-keloka amin'ny anarany. Ianareo no vavolombelona izany. Izany ary ny teny ny Tompo. Salama Tumpogo! Fali au miaraka aminareu! Vel pangastana l'Eglise de Madagascar au amnina mezani antique ul tsamba trafatil taurien ul tsamba trafictuara la shomanariv sy ny olotsambatra Rafaela Rafringy. Famantarana izany fa ny Eglizy eto Madagasikara dia tahaka ny sampana velony hazon'ny aina, tahaka ny sampana miray tsara amin'ny taomboloboka, satria manome an'izao vokatra tsara izao. Araka ny efa fantatrareo, voatsela kory izay ny Papa François dia nanoratra taratasy tsara be ho an'ny mpino katolika, ho antsika rehetra eveka, pretra, laïka, ka anasany antsika mba hiaina ny famasinana. Betsaka tamin'ny zavatra nysoratan'ny Papa amin'ny taratasy io no ny anazava tamiko rehefa namaky sy nandinika ny tantaram-piainan'ny Lucien aho, ary izany dia nanohy nahy manokana sy nanilo ahy tahaka ny hoe nilan'ny Lucien aho mba azo tsy hamaly tsara ny taratasin'ny Papa François. Par exemple,
Le pape François dit que la sainteté est quelque chose de simple. Elle n'est pas réservée aux religieux, aux prêtres, aux moines. Mais la sainteté peut se vivre dans la vie ordinaire, de chrétiens ordinaires qu'on rencontre au marché, dans la rue, au travail. La sainteté, c'est dans la porte d'à côté. Regardez la simplicité de Jésus lui-même sur la route d'Emmaüs. Il arrive comme incognito pour marcher avec deux disciples découragés. Il les écoute, il les éclaire, il reste avec eux pour un repas. Or, Lucien Boutouvasoua a vécu une belle et grande sainteté dans une vie ordinaire, dans une vie d'étudiant, en étant appliqué, régulier, et surtout en faisant des études non pas comme un moyen de se glorifier socialement, mais comme un moyen de servir ses frères. Dans sa vie de fils, en allant régulièrement aider son père dans les plantations. Dans sa vie d'époux fidèle, attentionné. Dans sa vie de père de famille, très présent, qui transmettait la foi à ses enfants par ses paroles comme par son exemple. Dans sa vie d'enseignant, dans son école, en se donnant totalement à ses élèves. Dans sa vie de citoyen, en restant intègre, refusant toute corruption, comme un artisan de paix, refusant toute vengeance. Le pape nous dit encore dans sa lettre, la sainteté, c'est un bonheur, une joie qui illumine notre vie. C'est pourquoi Jésus dit dans son enseignement, heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix. La sainteté nous rend heureux. C'est un grand cadeau que Dieu fait à chacun d'entre nous, si nous voulons bien le recevoir. Lucien Boutouvasoua a été un homme heureux, et il rendait les autres heureux. À l'école, ses élèves étaient heureux, contents de le voir. Dans sa famille, ses enfants, son épouse, étaient heureux quand il était là. Dans son village, où tous ses voisins l'accueillaient avec bonheur. Il rayonnait un bonheur simple. Il n'avait pas besoin de grandes richesses pour être heureux. Il n'avait pas besoin de beaucoup d'honneur pour être heureux. Il n'avait pas besoin de pouvoir pour être heureux. Mais son bonheur s'exprimait dans le service humble, dans une vie toute donnée à sa famille,
à ses élèves, à son village, comme citoyen. Lucien coup de la sambat. Arnaud a sambat à Niafa. Nathan est cool. Nathan fait un cavine à la catan va de manzane. Nathan tanane. A sambarana tout, non amira tatawam. Tsimila rena bidibimba ou sambat. Tsimila vunaita is bau sambat. Tsimila faifan is bau sambat. Fanya sambarana den siltan fiana pan puna tsuta. Fianana natolotra tanteraka ho an'ny fianakaviany sy ny mpianany ary ny tanànany amin'ny maolom-pirenena azy. La sainteté, nous dit le pape François, c'est l'amour. C'est aimer. C'est se laisser aimer par Jésus, qui nous aime malgré nos faiblesses, malgré nos péchés. C'est faire confiance à la miséricorde de Jésus, qui veut nous relever, nous guérir. C'est aimer Jésus à son tour, en lui donnant notre vie. Lucien a découvert la bonne nouvelle de cet amour grâce à une dame catéchiste, Marguerite Kembarakala. Lucien a fait confiance à la miséricorde de Jésus, à ce Jésus qui lui disait, dans le silence de son cœur, « Ne crains pas. Je suis avec toi. Tu comptes beaucoup pour moi. » Lucien a découvert le bonheur d'aimer son prochain, ses frères, ses élèves, sa famille, gratuitement. Il a découvert le bonheur de pardonner à ses ennemis, le bonheur de faire la paix, le bonheur d'aimer avec patience, sans chercher de récompense. Le bonheur d'aimer ses ennemis et de prier pour eux. Lucien a vécu le bonheur que Jésus nous promet quand il dit « Heureux les miséricordieux, heureux les artisans de paix. » Ni famasina na voyan, Papa François, m'taratasni, di aftiavana. Ni manekoutiavan Jésus, j'ai été antique, naïoise en falimentique et son faute antique. Ma tout qu'un iftiavan, j'ai été en arme si à la cité antique à you. Arrivé un tien Jésus, si mon ultras en fien antique. Na la 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 vôme à faire un iftiavan à demande, Lucien, nous vivons que des sisters en son nom Marguerite, Kembarakala. Ni tout qu'un femme rapon Jésus et Lucien. De Jésus intentamni taum fanginan fun. Azamatao tafum banao wao. Manandanza de beam que nao. Nalala ne sambaran nimtima mempona nama ni Lucien. De ne sambaran mamela yelk. Ni sambaran ni miavan. Ni sambaran nimti amparetana artsum tat tambni. Ni sambaran ni mivavaga. Simti amparetana ny fahavalo. Ny ainan'ny Lucien, ireo ambaran'i Jesosy amin'ny asambaran'ny evanjely hoe sambatra ireo mamindra fo, sambatra ireo mampiavana, sambatra ny malemy fanahy. Le pape François nous dit aussi que la sainteté, c'est un combat spirituel. Jésus lui-même a mené ce combat en résistant aux tentations du diable, en renonçant dans son agonie, il a renoncé à faire sa volonté pour faire la volonté de son Père. Lucien aussi a mené ce combat. Il a résisté aux tentations de ceux qui voulaient l'utiliser
à des fins politiques. Il a résisté à ceux qui voulaient le corrompre, le faire agir contre sa conscience. Lucien a vu que la volonté de Dieu pour lui était qu'il donne sa vie pour sauver la vie de beaucoup de ses frères. Lucien a renoncé à se sauver pour sauver sa famille, sauver ses frères. Lucien a suivi Jésus avec confiance jusqu'au don de sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous rappelons de lui et nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage qu'il a donné jusqu'au martyr. Ni famasina rokuin Papa François dia adi, adi ampanai. Ni atke yu adi ampanai yu Jesu, tam nizna nuitan fakapanam velarn de vuli. Tam nanueran teompie dinaena, ni anon sitapuni, bana tateranan sitapun rai. Ilusien ku dia nanuitan fakapanam reteompie asazi, uam natanzu nara politiki. Nanuitan'ireo te ampititrazy amin'ny kolikoly sy hitarika azy anao zavatra izay mifanohitra amin'ny feo amin'ny fieritreretany. Tsapany Lucien fa ny sitrapony ray dia ny afoizany ny ainy mba hamonjenan'ireo rahalahiny maro. Ary notoerin'ny Lucien ny anavitena mba hanavotan'ireo rahalahiny sy ny fianakaviany. Nanaraka an'i Jesosy tamin'ny pitokiana hatramin'ny fahafoizan'ny ainy Lucien. Ka izany mahatonga antsika ankehitriny hatsaro azy sy saotra an'Andriamanitra noho ny fijoroano vavolombelona hatramin'ny fanekeno martiry. Enfin, le pape François nous dit que la sainteté, c'est une force d'attraction, quelque chose qui nous attire. Car quand un homme ou une femme nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous, nous sentons qu'il y a là une source de vie, un chemin de vie. Jésus lui-même dit, quand je serai élevé de terre, c'est-à-dire quand je serai crucifié, j'attirerai tous les hommes à moi. Et nous voyons ça aujourd'hui. Nous nous laissons attirer par la croix du Christ. Lucien, de par sa manière de vivre et de parler, de par sa foi, il a attiré beaucoup de gens. Il a attiré ses élèves. Il a attiré des personnes qui étaient dans le tiers ordre de Saint François. Quand il les enseignait le catéchisme, quand il témoignait. Il a attiré ses propres enfants à qui il transmettait sa foi, le bonheur de faire confiance à Jésus. Il a attiré ses voisins, ses concitoyens par son intégrité, son refus de voler de l'argent, par sa manière de faire la paix, son refus de se venger. Il a même attiré ses ennemis à qui il a pardonné. Il a même attiré le roi qu'il avait condamné à mort. Et ce roi s'est converti au Seigneur Jésus. Dia erontarika toy ny zavatra izay misintona antsika satria raha misy olona mitia antsika hatramin'ny fahafoizan'ny ainy ho antsika dia ho tsapatsika fa misy loharanonainao, misy lalam-piainana. Nasarika ireo zanany izay nampitany ny finoana sy ny hasambaran'ny mitoky amin'i Jesosy. Nasarika ireo mpifanolobodirindrina taminy sy ny mpiray firenena taminy tamin'ny fahamarinany, tamin'ny tsy fanekena angalatra vola, tamin'ny fahaizany niavana sy nampiavana, tamin'ny nandavany ny valifaty. Voasariny hatramin'ireo fahavalony izay navelany heloka, ary nasarika an'ilay mpanjaka nanameloka azo faty izy ka nibebaka io tatiorina. Aujourd'hui, la vie et le martyre de Lucien est comme une semence de vie qui va porter beaucoup de fruits à Madagascar, dans nos îles et plus loin encore dans le monde. Jésus a dit,
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Rendons grâce à Dieu d'avoir suscité à Voipen un si grand exemple d'une sainteté simple, joyeuse, humble, patiente, mais une sainteté qui rayonne, qui attire. Et demandons au Seigneur, pour chacun de nous, la grâce de nous laisser attirer par Jésus et par son serviteur Lucien. Et alors, nous porterons beaucoup de fruits dans nos familles, dans nos paroisses, dans la vie sociale et politique de notre pays. Parce que Lucien, de par sa vie, de par son témoignage, nous ouvre un chemin de vérité et de vie, un chemin de lumière et de joie. Angéline, une fière de Lucien, une adassane grande de Takan Masubul, une fière de Zaytoun de Vukatasséen. Oui, Jésus, Ratsmat Vombar, de Tétafol, Faramat Kousa, Diamoubé. Il sera tiquant de manche, j'ai n'en pouvais pas être vous y peine. Un tiouat à tara de tara, un pharmacien à la tsouta, far, manetin, ma heart. J'aime s'en raca, ce ma sœur qui est dit. Ndé a ringata tiquant fassuava, bame la tiquant tena tique au vassar qui Jésus Christi, si le martyr Lucien Boutvassou. Arzan de tundra vukata beon tique. Eu me fio na piana cavina, am fio na social e si politique. Na nuca tra lala pa marina nas fiena, lala pa zavana se afalina, Israel. Bien-aimés, nous sommes ici réunis comme les disciples qui ont rencontré Jésus ressuscité. Nous levons notre prière pour être de vrais témoins du Christ avec notre témoignage de parole et de vie, comme il était le bienheureux Lucien Boutvassoua. Et que le monde entier, afin que le monde entier croie que Jésus-Christ est le Sauveur et la vie. Fiverenana iarantsika manao ao amin'ny ranombavaka, manelanelana ny ranombavaka, ekeo tompo, ekeo izao vavaka izao. Mahavita tahaka an'i Jesoa izy ireo amin'ny mahasolotenany azy ka hatarika ny olona rehetra tompo hihainy ny tenin'Andriamanitra
sy hanaraka an'i Kristy. Maro ny kristianina manana andraikitra amin'ny fitondram-bahoaka. Ao koa ireo mpikatroka isa tokony eo amin'ny raharaham-pirenena. Koa mivavaha isika mba hamiratra lalandava eo amin'ny asan'izy ireo ny fampianarana i Kristy sy ny fahazavany araka ny ompiainana navelan'ny Saint Boutvasoa ho sambatra. Arna sy mangetaheta fahasambarana izao tontolo izao. Koa mivavaha isika mba hitondra fihavaozana sy fanantenana ho an'ny olona rehetra ny fandresen'i Kristy ary mba ho maro ny kristianina entany mpitiavana hamonjy ny mizaly sy ny fadiranovana sy manan-keteherina. Aoka isika hivavaka ho an'ireo pretra sy relizioza ary ny laika mandray andraikitra sy manolo-tena mandany mondrokely eo amin'ny diosezy izy amin'ny asa fitoriana ivaovao mahafaly mba ho tahiny tompo sy homeny hery an-trany izy ireo ka ho tsapany izy ireo fa momba azy an-trany ny tompo. Mba hiara-dalana marina amin'i Kristy tahaka ny Lucien Boutvasoa ho sambatra eo amin'ny asa fanompoana ny eglizy sy ny tanindrazana ka hahay miara-miasa mandrakariva hikatsaka ampahamarinana ny soa ho an'ny be sy ny maro. Seigneur Jésus, tu as fait de tes apôtres des témoins de la résurrection pour qu'ils annoncent au monde entier la conversion et le pardon. Et tu nous as donné le bienheureux martyr Lucien Boutvasoa comme modèle de foi, d'espérance et de charité chrétienne. Aide-nous à être comme lui, des témoins de ta résurrection. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.